Bonjour mes amis, je m'appelle Julie et aujourd'hui nous allons étudier les objets de la maison. Allons-y. Les objets de la maison. Dans le salon, il y a la télévision et les canapés. Dans la cuisine, il y a le frigo et la cuisinière. Dans la buanderie, il y a la machine à laver ou lave-linge. Dans la chambre, il y a l'armoire, la lampe. Et le lit. Dans la salle à manger, il y a la chaise et la table à manger. Dans la salle des bains, il y a la baignoire. Le robinet, la pomme de douche, le miroir, le lavabo, le trop-plein, la coiffeuse, le WC. Et le porte-rouleau. Jouons. Le jeu consiste à deviner le nombre des objets qui se trouvent dans les différentes parties de la maison que je vais vous présenter. Vous avez 3 secondes pour deviner. Allons-y. Dans la salle des bains, il y a 1. Le canapé et la télévision. 2. La machine à laver et le WC. 3. L'armoire et le lit. 4. La baignoire et le WC. 1, 2, 3. Oui, la baignoire et les WC. Dans le salon, il y a 1. Le canapé et la télévision. 2. La machine à laver et le WC. 3. L'armoire et le lit. Ou 4. La baignoire et le WC. 1, 2, 3. Parfait. Le canapé et la télévision. Dans la chambre, il y a 1. Le canapé et la télévision. 2. La machine à laver. Et les baisers. 3. L'armoire et le lit. Ou 4. La baignoire et le baiser. 1, 2, 3. L'armoire et les lits. Très bien. La cuisine. 1. Le canapé et le baiser. 2. La baignoire. Et le WC. 3. La machine à laver. Ou 4. Les frigos et la cuisinière. 1, 2, 3. Excellent. Le frigo et la cuisinière. Dans la buanderie, il y a 1. Le canapé et les chaises. 2. La table à manger et les chaises. 3. La machine à laver ou 4. Les canapés et la télévision. 1, 2, 3. Bien joué, la machine à laver. Dans la salle à manger, il y a 1.
le canapé et les chaises. 2. La table à manger et les chaises. 3. La machine à laver. Ou 4. Les canapés et la télévision. 1, 2, 3. Magnifique. La table à manger et les chaises. Félicitations, mes amis! Maintenant, vous connaissez les objets de la maison. J'espère que nous pourrons nous voir bientôt. Jusqu'à la prochaine vidéo.